Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Cette vidéo ne va pas révolutionner tout ce que vous saviez sur le féminisme, mais je voulais absolument que ce sujet soit traité sur ma chaîne, car j'estime qu'il est très important. Simone de Beauvoir nous avait prévenu, je cite, « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à tous qu'il faut être vigilant et surtout continuer le combat pour l'égalité homme-femme. Je commencerai par dire que le féminisme, ce n'est pas uniquement l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous ceux qui désirent une société plus égalitaire. Je pense que dans ce combat, il ne faut exclure personne. Le féminisme ne cherche pas à imposer la volonté des femmes sur celle des hommes. Au contraire, elle cherche à favoriser le dialogue entre les genres pour trouver de nouvelles idées. J'entends beaucoup de filles me dire qu'elles ne sont pas féministes parce qu'elles estiment que le combat a duré assez longtemps et que maintenant, il n'y a plus de problème d'inégalité homme-femme. Alors pour toutes ces personnes, je suis désolé de vous l'apprendre, mais les inégalités hommes-femmes sont encore très hautes. Je ne vais bien évidemment pas citer toutes les inégalités, mais en prendre une ou deux que j'estime intéressantes. Bien évidemment, vous pouvez continuer le débat dans les commentaires de la vidéo. Selon l'Observatoire des inégalités, pour un même temps de travail, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Vous imaginez quand même, ça veut dire un quart de salaire en moins pour un temps de travail équivalent. L'Observatoire explique ces inégalités par plusieurs facteurs et notamment par une structure de qualification différente. En résumé, ça veut dire que 19% des hommes salariés du privé sont des cadres contre seulement 12% des femmes. L'inégalité n'est donc pas créée par le patron qui payerait moins les femmes que les hommes, mais plutôt par un système qui ne favorise pas assez l'ascension des femmes aux postes les plus élevés. Comment ça se fait que 57% des étudiants de l'enseignement supérieur soient des filles, mais qu'elles n'atteignent pas des postes aussi élevés que leurs camarades masculins? Il y a tout un tas de raisons. Et bien évidemment, je ne vais pas toutes les citer ici, sinon la vidéo fera une demi-heure. Je pourrais aussi m'attaquer à un tas d'éléments, mais que je ne peux pas résoudre à mon échelle. C'est pour ça que j'aimerais bien me concentrer sur certaines raisons, pas forcément les plus importantes, mais des raisons où j'estime que chacun a sa part de responsabilité. Je commencerai par le plus évident, les cadeaux de Noël. Comment ça se fait que dans le rayon pour les petites filles, il y ait des pelles et des balayettes? Enfin, la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est quel genre de parents achètent ces cadeaux pour ses gosses? Je pense que c'est la responsabilité des parents de ne pas choisir le cadeau de leurs enfants par rapport aux catégories filles-garçons dans les catalogues de jouets, mais plutôt par rapport aux valeurs qu'on veut leur transmettre. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas acheter un dictionnaire à un gosse de 7 ans en espérant qu'il fasse des études de lettres. Mais par contre, acheter un kit de nettoyage pour une fille et un kit de médecin pour un garçon, vous pouvez penser que ça on s'en fout, que c'est pas important, mais au contraire, la sociologie a prouvé que les enfants se construisent en fonction de leur environnement et donc en fonction de leurs jouets. Pour rester dans cette même thématique, je dirais qu'il faut modifier notre discours. Premièrement, il faut encourager un maximum les filles à se lancer. Se lancer dans des projets professionnels plus ambitieux, mais aussi se lancer de partout. Ce que je remarque, qui est peut-être pas vrai à l'échelle nationale, hein, mais c'est ce que je remarque moi, c'est que généralement les filles sont plus renfermées sur leurs études, contrairement aux garçons qui, eux, se construisent plus dans leurs activités extrascolaires. Et je pense réellement que ça joue beaucoup sur le parcours professionnel. Les filles ont beau avoir de bien meilleures notes à l'école, les garçons acquièrent plus d'ambition au travers de leurs projets qu'ils réalisent en dehors de l'école, justement. Je vais vous donner un exemple concret. Sur la chaîne YouTube Demos Kratos, je remarque que mon public est constitué à 82% d'hommes. Et il n'y a que 18% de femmes qui regardent mes vidéos. Et ça, c'est pas que sur ma chaîne. Hein. Toutes les chaînes d'éducation populaire, que ce soit scientifique, politique, philosophique, etc., remarquent à peu près des chiffres similaires. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a trop peu de youtubeuses qui font des vidéos justement d'éducation populaire, scientifique, politique, etc. Et je pense que c'est par un manque de soutien qu'elles ne se lancent pas. Être une fille sur YouTube, je suis d'accord, c'est pas du tout facile. Hein. Les commentaires sont très sexistes et très virulents des fois. Mais justement, c'est là où notre responsabilité, c'est de soutenir les filles, et au moins si on les soutient pas directement, de ne pas faire les cons à mettre des commentaires ultra sexistes et méchants sous leurs vidéos. Quoi. Si d'un côté, il faut qu'on encourage les filles à se lancer, d'un autre côté, il faut aussi qu'on éduque les jeunes garçons à ne pas être de vrais cons. Quand une fille fait des vidéos sur YouTube, par exemple, les commentaires sous sa vidéo doivent porter sur son discours, pas sur sa tenue vestimentaire. Si je devais résumer cette vidéo, je dirais qu'il faut encourager les femmes à se lancer et surtout à ne pas se sous-estimer. Mais il faut aussi encourager les hommes à plus de tolérance. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut relancer le féminisme à notre échelle. Effectivement, je n'ai pas apporté beaucoup d'éléments de fond, mais je referai très certainement une vidéo à ce sujet d'ici quelques temps.
Je voulais surtout faire cette vidéo pour apporter mon soutien à toutes les femmes et à tous les hommes qui essayent de changer les choses pour rendre la société plus égalitaire. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos et surtout de partager cette vidéo un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !